Mr. Del Pilla, so what can you tell us about your thoughts on Mr. O'Toole being ousted as a conservative leader and just what you see as the vision for the party going forward? Well, obviously, all my thoughts are for Aaron, Rebecca, Molly, and Jack today. I've been with Aaron for the last 16 months on a daily basis, working with this great Canadian, very dedicated for his party, his policies, but first and foremost for all Canadians. This gentleman has worked so well, you know, like a real soldier, and always positive, always constructive. So for sure, this is a sad day personally, and there is no victory to anybody today except the fact that a great leader left the office today, and now we will have to look forward. Et vous aurez compris que je vais faire quelques commentaires en français. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, mes pensées vont pour Aaron, Rebecca, Molly et Jack. J'ai travaillé depuis les 16 derniers mois, tous les jours, avec Aaron O'Toole, et j'ai vu un homme déterminé, très généreux de son temps, toujours avec une approche positive et constructive, et engagé pour ses pensées, pour les politiques auxquelles il croit, mais d'abord et avant tout pour le bien du Canada et de tous les Canadiens. C'est donc avec tristesse que je vois qu'aujourd'hui, sa carrière de chef n'est plus, mais j'ai confiance qu'il va continuer à donner de grands services au pays. Et nous verrons évidemment pour la suite des choses. Et juste yesterday, Mr. Fu was saying, the party has a choice to make right now, of going a way forward that can eventually help grow the party, or let people take over and make it the NDP of the right. Just, what do you make of the comments? Well, okay. Now, as long as the decision has been made by the Member of Parliament of the caucus, and as long as Mr. O'Toole recognized that vote, and what we can say also, it was a clear vote, you know, there was no distinction or maybe this percentage, and because I've been there, you know, maybe you don't know, but in 1983, in the January, I was in Winnipeg, Conservative Party convention, where Mr. Clark left the office with 67%, so 39 years later, I'm here also. So, with the Conservative Party. So, I think now there's a future is in front of us. And when I say the future is in front of us, it, we will have a leadership race. And a leadership race is a tremendous opportunity for all of us to express our views and to see some candidates tabling some ideas, having debate, having fighting for principle. Well, that's what leadership is all about. So, let's see the process, Roland. It will be an interesting leadership race. We will see what the candidates who will run and what their policy will be, and that will be quite interesting for the future of this party. And just a million-dollar question heading into the night. Who do you think should serve as interim leader if you yourself are? Well, the decision will be made tonight by our caucus. And so, you know, the rules that we have adopted based on the law that has been voted in 2014, if I'm correct, with Michael Chung's law. So tonight, the process will move up. The process is running right now. So tonight, we will have a caucus meeting, and we will decide who will be the interim. And after that, the party will have will have to decide when we will have the leadership race. So we will see. Alors, pour en français peut-être répondre à la question, ce soir, nous allons avoir une rencontre des députés pour définir qui sera notre chef intérimaire d'ici l'élection du nouveau chef. Et c'est au parti à décider à quel moment ça va se faire et quelles vont être les procédures et tout ça. Donc, une course au leadership offre une occasion sensationnelle de faire un débat d'idées, de faire aussi un débat de personnalité. Qui est la meilleure personne pour vendre aux Canadiens les idées conservatrices et les présenter sous l'angle le plus percutant pour que les gens adhèrent à nos idées et à nos principes? Alors, une course au leadership a ceci d'intéressant, c'est que ça va être un débat d'idées, et ça va être aussi, on va voir les qualités de chacun et chacune qui se présente, et nous allons faire le meilleur choix possible pour choisir le futur premier ministre du Canada. Do you plan on seeking leadership? Sorry? Oh, do you plan on seeking leadership? No. Nope. No. Alors, peut-être juste mettre un commentaire sur le fait que la course au leadership va donner la chance au parti de regarder en avant, un peu le commentaire que je vous ai tantôt en anglais, de donner la chance de regarder en avant et de choisir un chef qui sera être le futur premier ministre du Canada. Bonjour. Oui, dans un premier temps, toutes mes pensées vont pour Aaron O'Toole, qui a servi avec beaucoup d'honneur et de dignité pendant la dernière année et demie les Canada et le parti.
Il faut comprendre aussi que le leadership de M. O'Toole s'est dirigé dans une situation tout à fait inédite dans l'histoire politique canadienne. Vous savez, diriger un parti, d'abord être élu dans une pleine pandémie, une course au leadership. Après ça, diriger un parti où 80 % du temps, on était sous le joug, et même plus longtemps que ça, mais on peut dire qu'on est sous le joug de la pandémie pendant tout son leadership. C'est toujours difficile de faire de la politique dans une situation semblable. Et je m'explique. Vous savez, la politique, c'est du monde. Et en raison de la pandémie, on ne pouvait pas rencontrer le monde. Et c'est vrai ça à tous les niveaux, que ce soit nous, les députés, les candidats, que ce soit le chef. Vous savez, c'est d'abord et avant tout des gens, des contacts personnels. Et la pandémie a frappé tout le monde, au niveau politique. Bien, c'est clair que quand vous ne pouvez pas rencontrer le monde, c'est difficile de faire de la politique. Enfin, on a tous été confrontés à ces défis-là. Évidemment, personnellement, je souhaite le meilleur pour Aaron, pour la suite des choses. J'ai énormément de respect. Mes pensées vont pour lui, pour Rebecca, pour Molly et pour Jack, pour qui aujourd'hui, évidemment, c'est une journée qui est difficile. Et je souhaite ardemment que Aaron poursuive avec nous. Le Canada a besoin d'un homme d'aussi grande qualité à la Chambre des communes. Vous-même, est-ce que vous avez voté pour l'appuyer? Comment? Oui, absolument. Oui, écoutez, je m'en étais jamais vanté. Et maintenant, comme bons démocrates, nous respectons les règles et nous aurons compris également que les règles qui ont été adoptées par notre parti, par notre caucus, permettaient justement ce type de revision du leadership. Les règles ont donc été suivies et appliquées et M. O'Toole a pris la décision a respecté le résultat de cette consultation-là, tel qu'il l'avait annoncé d'ailleurs hier. Alors, l'intérim va avoir lieu ce soir, et ce soir, le caucus va se réunir pour choisir le chef intérimaire, et c'est l'exécutif national du parti qui doit définir le calendrier concernant la suite des choses pour élire un nouveau chef, et on va laisser les militants faire leur travail. Bien, on va voir les courses, quelles sont les candidatures qui se présentent, quels sont les gens qui se présentent, et puis on pourra juger la qualité des gens. Écoutez, laissons le débat se faire. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes 10 députés du Québec, très forts, très enracinés. Je tiens à rappeler que 7 députés sur 10 ont gagné avec plus de 50 % dans nos comtés respectifs. Je m'inclus là-dedans. Donc, on est des gens qui sommes très bien implantés dans nos circonscriptions, au Québec et au Canada, dans le Parti conservateur. Et soyez assurés que nous, les Québécois, nous allons toujours continuer à porter et amener la défense des intérêts du Québec dans le Canada, comme tout le monde le fait pour sa province. À travers le caucus. C'est ça la force d'un caucus, et défendre toujours le pouvoir du respect, le respect que nous devons avoir pour les juridictions provinciales et savoir s'occuper de ce qui nous regarde, particulièrement sur certains enjeux. Mais je peux vous assurer d'une chose, pour travailler directement avec tous les collègues du Québec, plus que jamais, le député du Québec, le caucus des députés du Québec est plus fort que jamais au sein du parti. Vous savez, quand 7 députés sur 10 sont élus avec plus de 50 % là, entre politiciens, on se comprend, on sait qu'on a une voix qui porte fort. Vous pensez que ça peut suivre pendant combien de temps ce brûlé-là? Vous allez vous dire, il n'y en a pas une vision, mais dans les faits, on est en train d'en parler aujourd'hui de ça et on ne parle pas des jugements. J'ai cru remarquer qu'en effet, aujourd'hui et en d'autres temps, vous en avez parlé. Je tiens à rappeler qu'à tous les jours, nous avons pris des positions sur les enjeux. Je comprends que parfois ça a été repris, parfois c'est peut-être pas nécessairement repris. Ça va, je n'ai pas à dire à quiconque faire son travail, mais la réalité, c'est que nous allons continuer à porter les enjeux qui touchent tous les Canadiens. Encore aujourd'hui, plus de la moitié de nos questions portaient sur le coût de la vie, sur l'impact réel des mauvaises politiques économiques de M. Trudeau qui ont un impact direct sur la vie de tous les Canadiens. Alors, nous allons continuer en ce sens-là. La course au leadership va avoir lieu en même temps. On pourra voir quels sont les enjeux qui vont être débattus par chacun des candidats. Et ça va être fort intéressant à suivre pour choisir le futur premier ministre du pays. Est-ce que vous croyez que l'accès est Écoutez, il n'est pas une question de crever un abcès ou de faire quoi que ce soit. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui demandaient une revision du leadership de M. O'Toole à l'intérieur du caucus. Cette consultation a eu lieu ce matin. La décision a été prise et nous la respectons, cette décision-là. Thank you so much. Merci bien. Au revoir. Pas de problème, madame. Pas de problème. Vous-même vos intentions.
Non, l'intérim va se décider ce soir par les députés et puis le leadership va se décider évidemment après quand l'exécutif national va prendre ses décisions pour l'organisation et à quel moment ça va avoir lieu. Mais non, je ne serai pas candidat ni à l'intérim ni au leadership permanent, si on peut dire, pour choisir le futur premier ministre du Canada. Donc, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Je ne serai pas candidat ni à l'un ni à l'autre. Merci. My pleasure. Ask you a question in English because I'm not responding. Yep. No, no. So tonight we will decide as a caucus. We will decide who will be our interim leader, and after that, the executive of the party will decide when we will have the leadership race to have our leader for the next election. So we will see when will it be. But I will not run nor for the interim nor for the leadership itself. Well, we will see. I think some personality would like to run. That's interesting. But the leadership race is an occasion for us to have great debates among us and also having an opportunity to see, to watch, and to evaluate the capacity of each and every candidate to run this party, to run this country. Well, obviously, you know, personally, I work on a daily basis with the Honorable Erin O'Toole, and for me, for sure, this is personally a very sad day because I deeply appreciate the privilege that I had in the last 16 months to work on a daily basis with this great Canadian. And we do respect, you know, we are a strong Democrat, and Erin is a really strong Democrat. So he respect the will of the caucus. We have rules, we apply that rules. Everything was done correctly. And then the decision has been made, and the leader, and Mr. O'Toole, respect the will of the caucus. Well, a leadership race is an occasion to see where we want to go for the future. Obviously, we have noticed that there is some concern in the last days, and so this is why we had that vote today at the caucus. And you know, all of us, all the caucus members, are very involved in democratic process, and that's exactly what we have seen today. We adopt the rules, the Michael Chong's law, like we used to call it, the rule that permit to three things, that if the caucus decide who will be the chair of the caucus decide if we have to kick out someone from the caucus, and the caucus has the right to review the leadership of the leader. So we applied that third rule today, and we had the decision made by all the caucus members, and the Honorable Erin O'Toole, which is an honorable man, respect the will of the caucus today. Well, we will see. This is what the leadership race is all about. You know, this is an occasion for us to have personality, to evaluate the capacity of those personalities, and also having a debate of idea where we want to go. And you know, it will be my third leadership race. As a member of parliament, it will be the third time that we will see a leadership race. So we will see what's going on, who would like to run, and what they have to table. My pleasure. Thank you. Thank you.